Bonjour à tous, c'est Vincent. Ben écoutez, si vous avez raté le rallye Detect One ce week-end à Vic en Haute-Marne, je vous invite à me suivre dans cet épisode spécial pour revivre ensemble cet événement qui s'est fort bien passé et que je recommande à tous. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Bonjour à tous, il est 4h15, direction Vic pour le rallye Detect One. Voilà, je vous reprends tout à l'heure pour, je l'espère, un beau lever de soleil. Allez, ciao! Après 3h20 de route et une pause café, me voilà arrivé à Vic. Le jour se lève à peine. Beaucoup de brouillard, c'est une grosse galère, après l'autoroute. Voilà, maintenant je me laisse guider vers le centre-ville et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour aller aux inscriptions. Ciao. Voilà, donc nous voilà, place de la mairie. On aperçoit le parking des camping-cars pour tous ceux qui sont arrivés hier soir. Et puis les barnums, mais écoutez, je me dirige vers l'accueil pour les inscriptions. Ciao. Petit bracelet à mettre au poignet. Hein, d'accord. Des contrôles. D'accord. Voilà, alors donc là, c'est le pack que vous avez réservé. Donc automatiquement, il y a le petit déjeuner, un ticket pour le cadeau du repas du midi, l'apéritif, la collation de l'après-midi. Voilà, les inscriptions sont faites, validées du moins. Donc le dossard 73, très très bon chiffre. J'ai mes tickets repas, boissons, collations. Et j'ai eu en cadeau un t-shirt viking. Voilà, je vous donne rendez-vous plus tard. Ciao. Allez, c'est parti, on forme la ligne. La ligne se forme, on va pas tarder à nous donner le départ. Et c'est merveilleux, le soleil arrive. Nickel. Ouais. Allez, c'est parti. Le départ est donné, première manche, c'est parti pour 2h30. Allez, zou. Allez, un premier son. Et ben comme mon voisin, un bout de plomb. Allez, pas mal de déchets, petits déchets en plomb. Alors j'en ai fait quelques-uns. Autour de moi c'est pareil. Et ici, voilà. Ici un son qui claque bien en surface. On va essayer de voir ça ensemble. Et ce sera pour un plan de sac. Allez, je continue. Ah, ici dans ce trou, ah, ça sonnait bien, alors j'étais tenté de creuser. Et voilà, la moitié d'un jouet en plomb, petit fusil. Walou, allez, je continue. Allez, un son qui claque à 94. Quasiment en surface.
Ok. Alors, un jeton Viking numéroté extra le 6. Allez, c'est reparti. Quoi d'autre? Un déchet en fond et un fond de sac. Voilà, rien de... Vous montrerez votre jeton numéroté? Oui. On y croit. Petite merdouille. C'est bon ça, montre-nous. Ah Fredo, il fait jamais semblant hein. Non. Terrible. On dirait bien un jeton là. Truc c'est hexagone. Ouais, c'est un peu bizarre. Attends, j'ai du coup... Un jeton de consommation. Là. Peut-être bien, ouais. Ah ouais. Attends, j'ai fait un dé, mais je sais pas où je l'ai mis. Je vais le retrouver. Il est là. Ah, un joli dé à coudre. Superbe. Ben voilà. Allez, à tout à l'heure, Fredo. Allez, je change de parcelle. Ça sent le jeton par là. Ça fouille, ça cherche, ça creuse. Allez, je suis tombé sur un bon son. Et puis là, ici, regardez, au fond, on aperçoit comme, pour le moment, on va dire une boîte. Une boîte blanche. On dirait qu'elle est émaillée. Alors, on va bien décaisser autour. On va pas lui mettre un coup. Depuis le temps que c'est ici, alors. Depuis le temps que c'est ici, on va y aller tranquillous. Voilà, enfin, ici je pense un élément de lampe, peut-être de lampe à... Ouais, de lampe, ici on aperçoit la collerette. Voilà, bel objet. Il y a de la faïence avec un petit motif floral. Allez, on verra ça un peu plus tard après nettoyage. Ciao, ciao. De la matinée, et bien écoutez, cet élément de lampe en porcelaine, un jeton, un rivet en cuivre, un petit plomb de sac, cette petite crosse en plomb de c'était un jouet, et ensuite ben, plein de petits déchets d'aluminium et de plomb. Voilà, allez, rendez-vous pour cet après-midi, ciao.
c'est parti pour la pause repas. Elle va être malheureuse aujourd'hui, la gros. Oh, beaucoup de câlins. Elle a déjà fait des kilomètres. Oh là là, les câlins. Regardez-moi ça, la ligne commence à se former. La gros est là. Voilà. Oh ben là, il va falloir jouer des coudes, c'est pas bien large là. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne là sur le côté là? Oh, ils sont là. Magnifique. Bon, moi je fonce, hein. Allez, c'est parti. Allez, premier son pour l'après-midi. Un jeton noir qui va donner droit à un ticket de tombola. Allez, c'est parti. On continue. Allez, un bon son, 92 en surface. Et le voilà. Et un deuxième jeton noir. Allez, on continue. De l'après-midi, deux petits jetons noirs qui donneront droit à un ticket de tombola et les merdouilles habituelles, petit bout de plomb, petit bout de zinc, etc. etc. Allez, à plus! Voilà la manche spéciale, le jeton triple zéro à retrouver pour gagner un pinpointer. Et des jetons noirs pour gagner des tickets tombola. Avec ou sans pinpointer, c'est à vue. C'est de la folie. Il y en a encore. Voilà, je ne me suis pas arrêté au polo de chez Quest avec mon jeton numéro 6. Avec la tombola noire, j'ai pu obtenir un t-shirt de la French Detection, un kit de crayons ADD, et pour remercier d'avoir fait la promotion de l'événement sur ma chaîne, cette jolie coupe. Merci. Et bien voilà, la journée se termine. Le rallye Detect One s'est super bien passé. Écoutez, un très bon retour pour cette première édition. Je salue toute l'équipe organisatrice, tous les mécènes, sponsors, etc. qui ont pu
faire aboutir à cette belle journée. La météo nous a été plus que favorable, un temps magnifique. Que du bon. Voilà, à renouveler, je vous le conseille. Et maintenant, place au générique. Salut, ciao, ciao.